La ministre des Affaires étrangères a pris part par visioconférence à la 38e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Parmi le point examiné, le note, l'élection et la nomination des 6 commissaires de l'Union africaine, il faut également dire que les membres vont également décider de la date et du lieu de la 39e session ordinaire du Comité exécutif de l'Union africaine. Le gouvernement de mon pays marque son total soutien à la question relative aux réformes structurelles de l'Union africaine. S'agissant du comité de R10, mon pays estime que les travaux de cette 38e session devraient s'y pencher sérieusement pour déterminer les prochaines orientations qui devraient apporter plus d'efficacité en termes de résultats. Pour ce qui est du cycle de partenariat, mon pays a prévu un calendrier des activités pour parvenir à atteindre tous les partenaires de notre organisation et réaliser un apport de ressources les plus substantielles dont notre organisation a besoin pour réaliser ses projets phares.